Dame. Je vous demande d'accueillir nos lauréats du championnat de France CSO Poney Elite B, Benjamin et moi. On les applaudit bien fort. Accompagnés de leur coach, s'il vous plaît. Donc, pour la remise des prix, nous avons Potentier Corentin, qui est en train de remettre la 8e place à Léna Pelandakis. La 7e place est attribuée à Roman Comte. La 6e place vient d'être attribuée à Janice Lequeux. La 5e place vient d'être attribuée à Lou Esguera. La 4e place vient d'être attribuée à l'instant à Louise Nicolas. Donc et voici le moment tant attendu, le podium. Donc Potentier Corentin est en train de remettre la médaille de bronze à Chloé Buchholzer sur Vitavi du Riojonc. Et on l'applaudit bien fort. La médaille d'argent est attribuée à Alice Pinet des Échos. Sur Tip Top de Mons. Et la médaille d'or va être attribuée à Léola Dumas. Et nous remercions le sponsor Longines Master d'offrir une invitation à Léola et son coach pour le vendredi 30 novembre ou le samedi 1er décembre pour soutenir les meilleurs cavaliers européens face aux meilleurs cavaliers américains lors du Ryder Master Cup. Afin de célébrer notre championne, nous allons écouter la Marseillaise. Oui,
Donc je vais demander à nos trois gagnants de bien vouloir rejoindre leur poney pour effectuer le tour d'honneur qui s'effectuera piste à main gauche. Naturellement, sous vos applaudissements, notre cher public. Donc le tour d'honneur piste à main gauche va être ouvert par Léola Dumas. Suivi de près par Alice Pinet des Échos. Et par Chloé Buzzer. Louise Nicolas. Lou Esguera. Janice Lequeux. Romane Comte. Clôturé par Léna Pelandakis. Championne de France.